René Girard, on parle toujours des religions du livre, du livre qui contient d'ailleurs, on l'oublie souvent, plusieurs livres. Les livres, ça se lit et ça s'interprète. Est-ce que vous pouvez nous parler de la lecture et de l'interprétation? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs types de lectures et qu'il y a des lectures. On peut lire un texte 10 fois, 20 fois, l'enseigner. Moi, j'ai été professeur pendant 48 ans et donc je sais qu'un texte qu'on a lu et relu un grand nombre de fois peut tout à coup acquérir une dimension qu'il n'avait pas, n'est-ce pas? Il y a une espèce de choc qui se produit. Alors c'est là, à mon avis, qu'on débouche sur une interprétation véritable. Parce que ce choc est un choc affectif, il y a un aspect esthétique, etc. C'est indicible. Mais je pense, enfin là c'est mon attitude personnelle, que s'il y a vraiment, si quelque chose s'est passé, on réussira à créer entre, saisir entre ce texte et d'autres des rapports nouveaux, des rapports neufs, qui en fait sont vrais et réels et qui n'avaient pas été perçus. Pour moi, l'exemple que je donnerai immédiatement est lié à ma découverte de la Bible, évidemment, et c'est le jugement de Salomon. Le jugement de Salomon, vous savez, c'est la fameuse histoire des deux prostituées qui habitent la même maison et dans la nuit, un enfant est né, deux enfants sont nés. Chacune des deux a un enfant et un des deux enfants meurt. Et ensuite, l'une des deux échange l'enfant mort contre l'enfant vivant. Ou peut-être les deux ont échangé toute la nuit l'enfant vivant et ont triché toutes les deux. On ne sait pas. Mais le lendemain matin, elles se présentent devant Salomon et elles lui disent la même chose. Et le texte est admirable parce qu'il y a d'abord les propos. La première prostituée dit et suit le texte. La seconde prostituée dit et suit le texte. Et ensuite Salomon se dit à lui-même, ces deux femmes disent la même chose. Et il répète les deux phrases qui sont assez longues. Autrement dit, nous avons 4 fois la même chose. Alors là, le caractère symétrique de la rivalité, ce que j'appelle la rivalité mimétique, est formidablement marqué. Et alors Salomon dit qu'on m'amène une épée, et on lui présente une épée, et il dit je vais couper l'enfant en deux, et je vous en donnerai la moitié à chacune. N'est-ce pas? Et la première prostituée accepte en disant eh bien ma rivale n'aura pas cet enfant, et je triompherai d'une certaine façon. Et la seconde dit donnez-lui l'enfant, tout pour que l'enfant vive, je préfère ne jamais revoir l'enfant. N'est-ce pas? Et qu'il reste vivant, elle abandonne son enfant, et bien entendu, Salomon dit, c'est elle la mère, donnez-lui l'enfant. N'est-ce pas? Et le texte ajoute, à partir de ce jour-là, les courtisans furent très impressionnés par la sagesse de Salomon. Et dans ce texte, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la solution proposée par Salomon n'est pas une invention gratuite, c'est pas une histoire de astucieuse, c'est le sacrifice, tout simplement. C'est le sacrifice primitif que la Bible refuse, c'est-à-dire le partage, littéralement, de la victime, qui est souvent consommée, n'est-ce pas? Par conséquent, là, ce que la Bible nous dit, c'est le sacrifice primitif est lié à la rivalité mimétique, et le personnage qui réussit à transcender ceci, n'est-ce pas, est au-delà. Et c'est en quelque sorte une définition, à mon avis, de l'inspiration biblique. À ce moment-là, je lisais les livres historiques de la Bible pour la violence, parce qu'ils sont remplis de violence. Jamais je m'imaginais que j'allais tomber sur ce texte, que je connaissais très très vaguement, lointainement, mais qui a joué ensuite un rôle énorme, qui m'a soutenu pendant des périodes où j'avais l'impression que je n'arriverais jamais à terminer mon travail. C'est un texte qui me semble absolument magnifique et complètement au-delà du mythe. Et alors, la façon dont le Moyen Âge l'a interprété, c'est ce qu'on appelle l'interprétation allégorique, est très intéressante. Parce que le Moyen Âge disait,
La figure du Christ, figura Christi, qui était la formule officielle, c'est Salomon. Mais de notre point de vue, ce n'est pas vrai du tout. La figura Christi, c'est la bonne prostituée, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans un univers où il n'y a pas de Salomon, mais où le problème de la bonne et la mauvaise prostituée se présente sans cesse. Par conséquent, si vous voulez, être la bonne prostituée sans Salomon pour résoudre le problème, n'est-ce pas? C'est peut-être la situation moderne par excellence, n'est-ce pas? Et lorsque les psychanalystes, par exemple, vous disent « Oh, le sacrifice de soi », c'est toujours du masochisme. Je leur dis, il ne faut pas répondre à partir de mots comme sacrifice, il faut citer le jugement de Salomon et leur dire, la bonne prostituée, est-ce qu'elle est masochiste? Oui, je veux dire, et le membre de phrase qui revient comme un leitmotiv dans ce qu'elle dit, c'est pour que l'enfant vive, pour que l'enfant vive. Autrement dit, elle se sacrifie pour la vie et non pas pour la mort. Donc ce texte, à mon avis, est d'une puissance telle qu'on ne peut absolument pas l'épuiser. Alors là, si vous voulez, je crois qu'il y a le choc interprétatif est là. Parce que ce texte, je peux le relier à tous les textes qui m'intéressent dans la Bible et aussi à tout le religieux primitif. Parce que c'est une confrontation, si vous voulez, de l'archaïque et du chrétien. Car il est bien évident que la première solution apporte la paix. Elle aussi, elle est sacrificielle en ce sens qu'elle résout la querelle, n'est-ce pas, par la victime. J'ai commencé à lire la Bible à peu près à la même époque où où je me suis occupé des textes primitifs. Et comme je viens de vous le dire, le jugement de Salomon a joué un rôle très important. Et le prophète Jonas aussi. Vous savez, le prophète Jonas, qui doit annoncer à Ninive l'apocalypse, la fin de la ville, parce que la ville est pécheresse, et qui s'en va, et qui disparaît, et qui part sur un bateau, et il y a une énorme tempête, et les marins tirent au sort et découvrent qu'il est responsable, et font de lui un bouc émissaire, et le jettent à la mer. Et évidemment, c'est un texte qui est lié au primitif, et je savais qu'il y avait entre ces textes une différence colossale d'esprit, d'affectivité, n'est-ce pas? Mais c'était une différence que je ne pouvais pas encore définir. D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'être capable aujourd'hui de la définir. Mais d'une certaine manière, c'est ce que j'essaie de faire. Mais j'essaie toujours de le faire avec des textes bibliques. Et alors justement, le jugement de Salomon, à mon avis, répond parfaitement à cette demande, n'est-ce pas? Parce que la mauvaise prostituée, c'est le sacrifice à l'ancienne, n'est-ce pas? Le sacrifice qui implique la mort, et la bonne prostituée est à la place de tous les personnages qui préfèrent se sacrifier eux-mêmes ou mourir plutôt que de sacrifier quelqu'un. Alors pendant longtemps, j'ai dit, et aujourd'hui, j'ai cessé de le dire. J'ai dit, entre ces deux formes de sacrifice, la différence est telle que d'une certaine façon, il ne peut pas y en avoir de plus grande, puisque c'est la différence entre la haine et l'amour dont nous parlions tout à l'heure. Le mystère du religieux, c'est que nous employons le mot sacrifice pour les deux. Et Les choses cachées, mon livre principal, est un peu fondé sur l'idée qu'il ne faudrait pas employer le même mot pour les deux, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, j'ai un peu changé, parce que le mystère de ce texte reste celui que je viens de dire, mais il y a un mystère peut-être plus grand encore, c'est qu'il y a une histoire, un récit, fictif, pas fictif, ça n'a aucune importance, qui met ces deux attitudes ensemble, n'est-ce pas? Et qui les met en parallèle. Par conséquent, que signifie le parallèle? À mon avis, le parallèle signifie l'histoire humaine tout entière, l'histoire de la révélation, n'est-ce pas? Et pour les chrétiens, pour les premiers chrétiens, dire qu'un texte avait valeur prophétique, c'était dire exactement cela. C'était dire, il y a dans ce texte quelque chose qui va au-delà du contenu.
Mais ça, le contenu paraît ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de deux prostituées dans l'obscurité, etc. C'est une image de la crise, bien entendu. Tout est très immédiatement interprétable, n'est-ce pas? Mais il faut l'interpréter à la lumière de cette grande question du sacrifice. Je pense que tout ce que les premiers chrétiens appelaient prophétique, par exemple des textes comme le sacrifice d'Abraham, sont aussi prophétiques dans ce sens, en ce sens qu'ils vont dans la direction du moindre sacrifice. Mais le jugement de Salomon va dans la direction du pas de sacrifice du tout. Et de la mère qui est prête à mourir s'il le faut. Alors si vous regardez par exemple le psaume qui joue un rôle essentiel dans l'épître aux Hébreux et qui commence ainsi. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, alors j'ai dit voilà, je viens, je me présente. » C'est-à-dire je suis prêt à mourir à la place de la victime. Ce texte paraît hors de tout contexte, n'est-ce pas? Et il étonne les gens. Et on peut dire, ah ben voilà le masochisme en question. Mais si on le lit à la lumière du jugement de Salomon, tout à coup, on comprend qu'il s'agit de la même question que le judaïsme prophétique est aux prises avec un univers où le sacrifice ne fonctionne plus. Et ce sacrifice qui ne fonctionne plus, tous les prophètes en parlent, n'est-ce pas? Ils nous disent « Tu peux accumuler les monceaux de viande d'Israël, faire brûler tous les holocaustes que tu voudras. » Ça ne va pas guérir ton mal, n'est-ce pas? Parce que le vrai sacrifice, c'est vient du cœur, c'est la bonté, etc., etc. Mais vous avez des textes clés qui le disent, au fond, qui vont encore plus loin, et qui vous disent « Le vrai sacrifice, c'est accepter de mourir pour qu'il n'y ait pas de sacrifice. » Autrement dit, là, vous entrez carrément dans le christianisme. Et le paradoxe du bouc émissaire qui est divinisé, non pas parce qu'il rassemble sur lui la violence, bien qu'il la rassemble d'une certaine façon, mais parce qu'il est allé jusque-là, n'est-ce pas? Ce paradoxe est déjà présent dans l'Ancien Testament. Donc, je pense que la lecture mimétique, d'une certaine façon, réhabilite la notion la plus classique de prophétisme et de lecture allégorique, un autre langage, n'est-ce pas? Et l'interprétation, c'est ça, n'est-ce pas? L'interprétation, fondamentalement, c'est ça. Je pense que quand on redécouvre ou quand on découvre cette dimension anthropologique qui est tout à fait liée aux sciences les plus modernes, vous voyez, tout à coup, ces textes reprennent vie d'une certaine façon. Plus récemment, vous avez, René Girard, donné une véritable explication de texte. C'est un texte de Jean, c'est le texte de la femme adultère. C'est un très beau texte, n'est-ce pas, qui ne figure pas d'ailleurs dans certains manuscrits de Jean. Et il y a des gens qui pensent qu'il est plus lucain que joannique, n'est-ce pas? Mais peu importe, n'est-ce pas, personne n'a jamais douté de ça. Canonicité, parce que c'est un texte si magnifique, c'est un certain nombre d'hommes, n'est-ce pas, une foule, qui présente à Jésus, qui amène à Jésus une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, n'est-ce pas? Et la loi juive, d'après la loi juive, on peut consulter le texte du Lévitique, bien sûr, que nous avons, dit qu'il faut lapider les femmes adultères. Et les chefs de cette foule demandent à Jésus, « Toi, que ferais-tu dans un cas pareil? Qu'est-ce que nous devons faire avec cette femme ?» Le texte ajoute que c'était un piège parce que Jésus était pris là dans une espèce de double bind, n'est-ce pas, de double contrainte, puisque s'il s'opposait à la lapidation, il paraissait s'opposer à la loi, et s'il acceptait la lapidation, il s'opposait à ses propres principes, et en fait il favorisait une mort très semblable à celle qu'il allait subir lui-même. Il faut ajouter d'ailleurs qu'à l'époque en question, au 1er siècle,
La lapidation des femmes adultères, et d'ailleurs la lapidation en général, était controversée. Et je veux dire, il y avait toute une évolution de la loi judaïque qui allait contre. Et alors Jésus, là, s'arrête un instant, il a besoin de réfléchir, et il se penche par terre, et il y a ce geste célèbre dans ce texte qui est celui de dessiner des lettres dans le sable. Et les époques hantées par le langage, comme l'était le Moyen Âge, comme l'est la nôtre, se demandent toujours ce qu'écrit Jésus là, n'est-ce pas? Et souvent, au Moyen Âge, on disait, ben, il écrit le nom de ceux qui sont damnés et de ceux qui sont sauvés. Vous voyez, en fait, à mon avis, c'est un geste réaliste. Lorsqu'on est en face d'une foule prête à lapider, furieuse, et qu'on veut s'opposer à elle, il ne faut surtout pas regarder les gens en face, n'est-ce pas? Regarder les gens en face, c'est répondre à la provocation par un geste qui n'est peut-être pas provoquant en lui-même, mais qui sera toujours interprété comme une contre-provocation, parce que vos yeux vont servir de miroir aux yeux de celui qui vous met au défi, n'est-ce pas? Et après avoir hésité un instant, Jésus dit que celui qui se sent sans péché lui jette la première pierre. Et ça, c'est une parole admirable, bien sûr, et la preuve qu'elle est admirable, c'est qu'elle est passée à l'état de proverbe dans toutes les langues occidentales, n'est-ce pas? Nous disons en français, jeter la première pierre, to cast the first stone en anglais, etc., etc. Et elle est très admirable, à mon avis, parce que, d'abord, elle se situe, je dirais, dans la tradition. Si vous regardez la lapidation du Lévitique, la lapidation du Lévitique n'est pas une simple lapidation sans, comment dirais-je, processus préalable, n'est-ce pas? La lapidation juive exigeait deux témoins. La lapidation, à mon avis, c'est une forme d'exécution capitale, archaïque, qui est très importante puisqu'elle reproduit la mise en œuvre du processus de bouc émissaire. Et pourquoi toutes les formes d'exécution capitale dans l'univers archaïque font la même chose? Elles sont unanimes, elles exigent le processus du bouc émissaire. Pourquoi? Parce que si ce processus n'est pas là, eh bien il est bien évident que la société sera divisée et que l'exécution capitale, au lieu de réconcilier la communauté, la divisera et par conséquent perpétuera le malheur. Je pense par conséquent que la découverte de processus comme la lapidation, ou la foule qui se dirige lentement vers une victime, qui avance de plus en plus près de l'abîme et qui se trouve derrière une falaise. Vous savez, personne ne touche la victime. Mais la victime va finir par se précipiter d'elle-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire se détruire. Dans le cas de la lapidation aussi, personne ne touche la victime et tout le monde participe au meurtre. Toucher la victime serait se contaminer. Toutes les sociétés archaïques ont des processus d'exécution de ce type. Je pense donc que le législateur archaïque est sans doute le lapidé, n'est-ce pas? Inventer la lapidation, c'est découvrir que la lapidation unanime, si elle s'engraine mimétiquement et tout le monde se réunit, a des effets heureux sur l'unité de la communauté, n'est-ce pas? Alors là, ce qu'il y a d'admirable dans le texte, c'est que Jésus, bien sûr, réussit à retourner, non pas la foule d'abord, parce que les évangiles, si vous voulez, ne fonctionnent jamais lorsqu'ils fonctionnent, lorsque la voix de Jésus fonctionne, elle fonctionne toujours avec des individus. Par conséquent, le premier à ne pas lapider est celui qui accomplit le seul geste libre de la foule. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas de modèle. Pourquoi les deux témoins? N'est-ce pas? Les deux témoins, parce que jeter la première pierre, c'est le plus difficile parce qu'il n'y a pas de modèle. Par conséquent, si les accusateurs sont des menteurs, leur demander de jeter la première pierre, c'est augmenter leur responsabilité. Donc la lapidation judaïque est déjà une forme, comment dirais-je, très élaborée, est déjà en route vers le système judiciaire. Et en quelque sorte, on pourrait dire la phrase de Jésus bâtie là-dessus.
Une fois que la première pierre est jetée, ou une fois que la première pierre n'est pas jetée, il devient de plus en plus facile par la suite, n'est-ce pas, de continuer, c'est-à-dire de céder au mimétisme. Nous vivons dans une société où on ne lapide plus les femmes adultères, mais ça ne veut pas dire que nous soyons meilleurs. Car la plupart des gens qui aujourd'hui ne lapident pas les femmes adultères, sans doute les lapideraient si on les lapidait. Vous voyez, on peut penser ceci. Mais j'ai essayé de développer, on dit que la lecture que j'ai de ces phénomènes exclut la liberté. Et là, on voit qu'elle n'exclut pas. N'est-ce pas? Car celui qui renonce à jeter la première pierre est très menacé, n'est-ce pas? Parce que si la lapidation a lieu, il sera lapidé aussi. Nous avons des quantités d'exemples de ceci, et Jésus risque la lapidation. D'ailleurs, les ébauches de lapidation dans les évangiles sont assez fréquentes. Et la lapidation est l'équivalent de la crucifixion, qui est aussi une exposition où la victime... Si personne ne descend la victime de la croix, tout le monde participe. C'est pourquoi d'ailleurs la question est posée à Jésus, si tu es Dieu, tu dois pouvoir descendre tout seul de la croix, n'est-ce pas? Alors dans le phénomène de la femme adultère, nous avons à la fois une nouvelle révélation du meurtre fondateur et une espèce de désintégration, de déconstruction de la lapidation qui se défait comme un chandail qu'on démaillerait, n'est-ce pas? Et en même temps qui est extrêmement subtil, car elle ne nous dit pas le monde va être complètement changé, parce que les phénomènes mimétiques n'existeront plus, n'est-ce pas? Elle ne dit certainement pas ça. Seul le premier geste compte vraiment, là, n'est-ce pas? Pour finir, René Girard, je voudrais vous poser une question qui pourrait sembler, en un certain sens, en rupture complète avec tout l'entretien qui précède, où on a parlé de lecture et d'interprétation. Ma question la voici. Est-ce que le christianisme est vraiment une religion du livre, selon vous? Si vous mettez le mot « livre » au singulier, alors je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord. Je crois qu'on peut, on ne peut répondre ni oui ni non à cette question. Le christianisme n'est pas une religion du livre au sens de l'islam, ou au sens du judaïsme, ou pour moi au sens que les fondamentalistes, les fameux fondamentalistes littéralistes américains donnent à cette question. Et il me semble que c'est très évident si on regarde les évangiles. Parce que les évangiles, nous avons quatre évangiles. Le quatrième est très différent des trois premiers. Les trois premiers, nous les disons synoptiques, parce qu'ils sont parallèles les uns aux autres. Mais en fait, ils sont tous à la fois très semblables et très différents les uns des autres. Par conséquent, il est impossible, ils varient dans le détail. Et il y a certaines variations qui sont irréconciliables sur le plan des faits. Par conséquent, il est absolument impossible de dire les évangiles nous donnent exactement ce qu'a fait, de prendre les évangiles pour des textes historiques ou des mémoires. N'est-ce pas? Nous savons qu'il y a un certain processus d'élaboration individuelle, collectif, l'Église primitive, nous ne savons pas qui s'est situé là. Mais si on compare les textes, on s'aperçoit que sans cesse, la comparaison vous donne des choses extraordinaires. Par exemple, nous parlions tout à l'heure de la falaise, vous savez, vers laquelle on monte, etc. Il y a un des évangiles synoptiques qui, lorsque Jésus est chez lui à Nazareth et parle dans la synagogue, à la sortie, la foule se mobilise contre lui et au lieu de se mobiliser pour une lapidation, le conduit vers une falaise. Alors les historiens disent, il n'y a pas de falaise à Nazareth. Alors ils sont tout heureux, ils ont compris que les évangiles n'étaient qu'une farce extraordinaire, une fabrication sans aucun rapport avec la réalité. Ils ne voient pas le rapport entre la falaise et la lapidation manquée qui se trouve dans d'autres évangiles. Ou, pour prendre un autre exemple, le fameux texte des démons de Gérasène. Vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps sur ce texte parce que c'est un texte qui au départ paraît assez magique, n'est-ce pas?
et qui en fait est une rationalité extrême, parce qu'on voit que les Géraséniens, qui sont de l'autre côté de la mer de Galilée, c'est-à-dire qui ne sont pas les Juifs, qui ne vivent pas sous la loi, ils ont un système de bouc émissaire organisé. Et lorsque Jésus commence à s'en prendre, à guérir ce bouc émissaire, ils se fâchent, au fond. Ou ils ne se fâchent pas, ils sont très polis, mais ils lui disent, va-t'en, nous ne sommes pas prêts pour ça, Jésus s'en va. N'est-ce pas? Ce sont des païens. Et alors, le texte de Matthieu, au lieu de parler d'un seul possédé, nous dit qu'il en avait deux et nous les montre barrant le chemin de Jésus. Alors, les gens se disent, c'est deux possédés qui disent plus ou moins la même chose. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je pense que la lecture par les doubles, toute folie, la folie du personnage de Gérasin, n'est-ce pas, implique le dédoublement, la dualité, le type de rivalité mimétique, maladive, etc. Alors, vous verrez dans des textes évangéliques qu'ils peuvent être tous révélateurs de façon un peu différente, n'est-ce pas? Ou, pour prendre un autre exemple, si vous voulez, les co-crucifiés de Jésus. Dans deux évangiles synoptiques, ils parlent de la même manière. Ils s'unissent à la foule contre Jésus. Ça, c'est une chose d'une puissance extrême, bien sûr, puisque c'est le mimétisme. Autrement dit, étant déjà crucifié, loin de s'associer et de s'identifier à celui qui est crucifié avec eux, ils s'identifient à la foule, parce qu'ils n'ont plus besoin de crucifier, de bouc émissaire que jamais. Être bouc émissaire soi-même, c'est avoir besoin de bouc émissaire. N'est-ce pas? Là, il y a quelque chose d'à la fois atroce et d'une puissance admirable. Mais Luc, justement, d'abord, Luc a toujours quelque chose de plus doux. N'est-ce pas? Luc nous présente un des deux qui refuse de s'associer à la malédiction et qui dit la vérité, et qui dit la vérité que je viens de vous dire. Et qui dit comment, toi qui es exactement dans la même situation que celui-ci, qui visiblement est innocent, n'est-ce pas? Tu t'en prends à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il accomplit le geste de Pierre et le geste de Paul, disant, nous continuons à être des persécuteurs dans une situation de persécution. Par conséquent, la phrase de Jésus, ce soir même, tu seras avec moi, n'est-ce pas, est l'équivalent de la conversion de Paul ou de la seconde conversion, définitive conversion de Pierre. Si on regarde ces textes, on s'aperçoit que les variantes apportent toujours des éléments d'interprétation prodigieux, mais qu'on ne peut jamais les prendre vraiment à la lettre. N'est-ce pas que le débat, si vous voulez, positiviste entre est-ce la vérité ou n'est-ce pas la vérité, est une absurdité. On peut dire c'est la vérité du mythe, même si ces textes sont dans un rapport avec la réalité qui est très complexe, parce qu'ils ont pu être modifiés par certains interprètes, n'est-ce pas? Ils ont toujours été modifiés d'une manière extrêmement profonde et conforme à l'inspiration évangélique. Ce que les pères de l'Église appelaient la canonicité des textes était cette conformité à l'inspiration biblico-évangélique, qu'ils ne définissaient pas, mais qu'ils sentaient profondément. Vous êtes connu dans les milieux intellectuels, mais vous n'êtes pas connu du grand public. Aux téléspectateurs qui vous regardent et nous écoutent, je ne sais pas comment vous présenter. Êtes-vous un philosophe, un anthropologue, un professeur de littérature? À quel titre allez-vous parler dans cette émission et répondre à mes questions? Eh bien, moi, je ne sais pas comment répondre, parce que j'ai beaucoup enseigné la littérature, mais je n'ai pas de formation littéraire. J'ai fait des recherches anthropologiques, mais je ne suis pas ethnologue. Je suis de formation historienne. Et il y a des gens qui me renvoient à la littérature en pensant que je suis littéraire, et en fait je ne le suis pas. Et le mot philosophe, je l'accepte dans la mesure où ça veut dire ami de la sagesse, mais au-delà, je n'oserais me lancer. Par conséquent, ce n'est pas en tant que spécialiste que je parle. Alors, est-ce qu'il faut retourner à l'honnête homme du XVIIe siècle? Ça me paraît aussi un peu limité pour notre époque, parce que malgré tout, s'il fallait me définir, je dirais que je suis un anthropologue du religieux. Et un anthropologue très spécial dans la mesure où je m'appuie justement sur les textes bibliques pour en tirer une anthropologie
qui n'a jamais intéressé les théologiens, à mon avis, n'est-ce pas? Des gens comme Simone Veil ont dit, derrière les évangiles, il y a une théorie de l'homme qui reste méconnue. Alors vous pourriez dire que je suis à la recherche de cette théorie de l'homme. Nous avons convenu, René Girard, de parler de religion et de culture. Un bon point de départ, je crois, serait de commencer par ce que vous appelez le religieux archaïque. Alors c'est quoi le religieux archaïque? Pour le définir, je dirais le religieux archaïque est une façon de gérer la violence. La violence entre ces créatures intermédiaires, d'abord entre l'animal et l'homme. Je pense que l'homme est très mimétique, comme dit Aristote, mais ce que les philosophes n'ont pas vu, c'est que loin d'être une force seulement d'harmonie, d'équilibre, de transformation de l'homme en troupeau, le mimétisme devient conflictuel s'il porte sur le désir. Que le conflit humain essentiel, ce sont deux mains qui se portent vers le même objet. Et que la sociologie et la psychologie parlent très mal de ceci parce qu'elles ne parlent pas des petites interactions. Alors je pense que le religieux se produit à partir du moment où ce type de conflit déclenche une crise sociale qui se résout contre une victime par un phénomène lui-même mimétique où la communauté entière se rassemble contre une victime que j'appelle très familièrement et vulgairement le bouc émissaire au sens moderne. Et cette victime est un point de rassemblement et un point de départ pour les rites. À mon avis, les rites sont toujours répétitions sacrificielles de la mise à mort de cette victime qui a résolu une crise ancienne. Donc, lorsqu'une communauté se sent menacée d'une nouvelle crise, elle se lance dans le rite, elle cherche une victime et remplace cette première victime. Elle a l'impression qu'elle est en quelque sorte mandatée par le phénomène initial qui est sacralisé, c'est-à-dire que la victime apparaît à la fois comme très méchante, dangereuse, bouc émissaire, mais aussi salvatrice, n'est-ce pas? Et le rite est l'effort pour répéter ce phénomène. Et à mon avis, le rite a eu une efficacité réelle dans les sociétés archaïques. Les interdits, alors eux, seraient la même chose, mais différente, dans la mesure où ce serait, au lieu de refaire ce que la victime a fait pour nous sauver, c'est-à-dire mourir, ne refait pas ce que la victime a fait pour nous faire tomber dans cette crise. C'est-à-dire, séparez-vous les uns des autres, ne vous imitez pas, épousez des femmes différentes, n'est-ce pas? Écartez-vous de façon à ne pas tomber dans ce type de rivalité. Et je vois bien sûr ces deux, le rite et l'interdit, comme les deux piliers de la culture humaine. Donc la culture humaine, à mes yeux, sortirait du religieux par une évolution, si vous voulez, qui commence par des interdits et des rites extrêmement simples. Et à partir du moment où il y a un seul adversaire, où la communauté est mimétiquement unie contre lui, le bouc émissaire, littéralement, résout le problème. Tout le monde, toutes les tensions convergent sur lui, et la société, la communauté, d'un seul coup, se trouve sans adversaire. Par conséquent, à qui va-t-elle attribuer ce miracle? Et ce qui est à la fois très surprenant et très logique, c'est qu'elle ne peut attribuer ce miracle qu'à la victime elle-même. Autrement dit, les boucs émissaires archaïques, à mon avis, non seulement sont des adversaires redoutables, des gens qu'il faut détruire, comme dans notre monde, mais ce sont aussi des dieux. Ce sont aussi des personnages qui, à partir de ce moment-là, vont servir de foyer à l'imitation, qui, au lieu d'être une imitation conflictuelle, va devenir une imitation rituelle, une imitation culturelle. Parmi toutes les religions, le christianisme est-il une religion comme les autres? Non, à mon avis, le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Et je peux vous répondre tout de suite pourquoi. C'est parce que le christianisme nous décrit le mouvement de foule
contre Jésus comme un mouvement mimétique. C'est-à-dire il le décrit dans sa vérité. La même foule qui reçoit Jésus à Jérusalem dans l'enthousiasme, trois jours plus tard, se retourne contre lui. Donc cette foule a une instabilité que je caractériserai comme mimétique. D'autre part, ce qui est absolument capital dans les évangiles, sur le plan dont je parle, c'est le reniement de Pierre. Et Pierre n'est là que le représentant de tous les disciples. Et il ne faut pas s'imaginer que le reniement de Pierre, lorsque Pierre se trouve dans la foule, dans la cour du grand prêtre, qui est hostile à Jésus, il ne faut pas s'imaginer que c'est de la psychologie, qu'il s'agit de montrer en Pierre un individu particulièrement faible, ou ceci ou cela, mais c'est montrer au contraire que même les individus les plus forts et les plus proches de la victime, et ceux qui ont le plus de raisons de ne pas succomber au mimétisme, pris dans une foule, presque nécessairement, je dis presque parce que je ne veux pas supprimer la liberté humaine, y succomberont, n'est-ce pas? Je crois que c'est tout à fait essentiel dans le christianisme qu'il y ait un moment où il n'y a de vérité littéralement nulle part. Il n'y a que des lyncheurs. Le texte de l'Ancien Testament qui est cité, là, c'est « Le berger sera frappé et les brebis se disperseront ». C'est la grande différence, à mon avis, avec la mort de Socrate dans Platon, qui est un phénomène analogue, n'est-ce pas, puisque Socrate est une victime unique d'une communauté. Il est victime d'une espèce de lynchage légal, dans la mesure où sa mort est légale, mais malgré tout liée à un mouvement de foule. Mais la philosophie ne se trompe jamais. La philosophie est toujours du côté de Socrate. Autrement dit, la philosophie n'a pas le radicalisme des évangiles qui vous disent « il y a des moments où le mimétisme peut être tout puissant ». Et chose étonnante, Platon n'était pas là, n'est pas là dans le récit de la mort de Socrate, il était enrhumé ou je ne sais quoi, mais enfin, il n'est pas là. Mais la question n'est jamais posée. Pierre était là et Pierre a trahi. C'est la question fondamentale du christianisme, à mon avis, puisque les deux premiers chrétiens sont évidemment Pierre, qui a trahi son maître, et qui se découvre donc persécuteur de Jésus. Et l'autre essentiel, c'est Paul, qui n'a même pas connu Jésus, mais qui a commencé par persécuter les chrétiens. Et la question que lui pose Jésus sur le chemin de Damas, c'est « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » N'est-ce pas? Autrement dit, là, c'est la victime elle-même qui prend la parole et qui se déclare persécutée mensongèrement. C'est-à-dire que le mot « bouc émissaire », nous l'employons de nos jours, nous le comprenons, mais le mythe ne le comprend pas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas du tout ma thèse et qui disent « Vous dites que le mythe d'Oedipe est un phénomène de bouc émissaire, mais il n'y a pas de bouc émissaire, il n'y a pas de thème du bouc émissaire dans Oedipe. Et il y en a partout dans l'Ancien Testament et encore plus en Nouveau. » Mais justement, ce ne sont pas les Dreyfusards, n'est-ce pas, qui refusent d'employer le mot bouc émissaire pour Dreyfus. Ce sont les anti-Dreyfusards. Si vous demandez aux anti-Dreyfusards qui faisaient du mythe, n'est-ce pas, qu'en est-il de Dreyfus? Ils vous diront Dreyfus était coupable. Ils vous diront pas Dreyfus était un bouc émissaire. Ce sont évidemment les défenseurs de la victime qui emploient des expressions telles que bouc émissaire. Bouc émissaire n'a d'ailleurs le mot aucune importance, mais l'expression agneau de Dieu dans les évangiles a exactement le même sens. Elle est même bien meilleure, parce qu'agneau implique l'innocence de la victime. Jamais un héros mythique sera présenté comme une victime innocente. René Girard, on peut argumenter, vous opposer que vous privilégiez une grande religion, le christianisme, et peut-être au détriment d'autres grandes religions, que ce soit le judaïsme, l'islam, les grandes religions d'Orient, que sais-je. Oui. Oui, d'une certaine façon, cette accusation est juste. Elle est partiellement injuste pour le judaïsme, parce que je privilégie aussi le judaïsme. Je pense que cette révélation du bouc émissaire fondateur
est présente dans de nombreuses histoires, de nombreux récits judaïques. Elle est présente dans les psaumes, elle est présente dans le livre de Job, elle est présente dans toutes sortes de textes. Mais effectivement, je privilégie cette révélation et j'essaie de dire pourquoi. J'essaie, alors je suis dans la tradition chrétienne, au fond, de la foi cherchant l'intelligence, ou de l'intelligence et de la foi, mais je pense qu'il y a des raisons pour dire que le christianisme démystifie ou déconstruit, comme on dit aujourd'hui, le religieux. Le paradoxe de ce que je dis, c'est qu'au fond, le rationalisme laïque, le rationalisme à la française, n'est peut-être pas aussi important que nous croyons, cette coupure entre le christianisme et ce rationalisme, que la vraie coupure est entre deux formes de religieux. Le religieux du pur bouc émissaire et le religieux du bouc émissaire révélé. Le vrai mystère, n'est-ce pas, c'est que dans les deux cas, c'est un bouc émissaire qui est divinisé. Mais il est certainement divinisé pour des raisons complètement opposées. Et pour s'en rendre compte, il suffit de constater que dans un mythe, c'est la foule tout entière, la foule qui vient de lyncher la victime, qui divinise la victime. Tandis que dans le judaïque, et surtout dans le chrétien, vous avez toujours un tout petit nombre de dissidents qui se révoltent contre la majorité et qui disent « c'est pas vrai », n'est-ce pas ? Et la résurrection, Jésus ressuscité, n'apparaît qu'à ce petit nombre de dissidents qui dit le contraire de ce que la voix du bouc émissaire devrait dire, mais qui en arrive à diviniser le bouc émissaire de cette façon complètement opposée à la divinisation mythique. Par conséquent, le mystère le plus grand du christianisme, à mon avis, est là. Pour revenir à l'opposition dont vous parlez, les religions qu'on appelle les religions du monothéisme strict voient dans le christianisme une retombée dans le bouc émissaire. N'est-ce pas ? Alors, je crois qu'il y a un point de vue chrétien authentique qui peut se faire sans polémique, qui peut dire non, il y a un demi-tour qui consiste à supprimer le bouc émissaire, à humaniser les victimes, comme fait la majeure partie de l'Ancien Testament, et à dire Dieu n'a rien à voir avec les boucs émissaires. Je pense que le christianisme nous dit autre chose. Nous dit Dieu est le maître de tout le religieux, y compris le religieux des premiers boucs émissaires. Il a toléré, n'est-ce pas, tous ces boucs émissaires divinisés dont vous aviez besoin pour ne pas vous détruire complètement en tant que société. Mais vous pouvez lui pardonner, puisqu'il a accepté lui-même de devenir bouc émissaire pour échapper, d'une certaine façon, pour transcender cette phase de l'humanité. Je crois que le christianisme est essentiellement historique, radicalement historique. René Girard, à vous écouter, je vous ai bien suivi lorsque vous décriviez ce processus qui mène dans les religions archaïques à la divinisation des victimes. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette question en ce qui concerne la divinisation du Christ ? Oui, c'est une question essentielle. C'est la question du rapport entre le mythe et le christianisme. C'est une question qui a été posée bien des fois dans l'histoire du christianisme, qui a été posée au début dans les luttes entre le paganisme et le christianisme, où les apologistes païens disaient Dionysos et Osiris ne peuvent pas être aussi différents que vous, chrétiens, le dites à propos du Christ, puisque c'est la même histoire. Et elle s'est reposée à la fin du XIXe siècle, lorsque les ethnologues modernes ont découvert toutes sortes de religions dans le monde entier qui se conforment très exactement à ce même schéma où il y a ce que j'appelle la crise mimétique, suivie de la mort collective, pas toujours collective, mais enfin très souvent, suivie d'une théophanie, n'est-ce pas, de l'apparition d'un dieu. Et la tendance de l'ethnologie ancienne, bien sûr, était de chercher l'unité du religieux là, et de ramener le christianisme à la mythologie. Et vous pourriez dire que ce que j'essaie de faire, c'est l'inverse. Ce que je dis, c'est
le christianisme interprète les mythes, parce qu'il nous fournit la raison d'être de ce schéma. Il nous fournit le mimétisme, il nous parle du conflit mimétique en nous parlant du scandale et de Satan et de certains conflits, des rivalités par exemple entre les disciples eux-mêmes, et il nous montre que ces rivalités conduisent au phénomène de bouc émissaire, dont Jésus est la victime en quelque sorte consentante, dans la mesure où il se refuse à toute mesure de représailles, où il se refuse à toute fuite, c'est-à-dire à tout ce qui pourrait lui permettre d'échapper à ce destin. Et il ne le fait pas par désir de mort, par masochisme, comme on dirait, mais il le fait, je pense, pour révéler ce mécanisme, pour révéler ce mécanisme dans sa fausseté, n'est-ce pas ? Par conséquent, il n'y a pas de rapport direct entre la crucifixion et la résurrection. Les trois jours symboliques qui les séparent l'une de l'autre sont là pour nous dire il ne s'agit pas du mythe, il ne s'agit pas du phénix qui renaît de ses cendres, il ne s'agit pas d'une production du divin. Et d'ailleurs, la théologie le dit aussi en disant le Christ est Dieu, né de Dieu de toute éternité. Il est envoyé par le Père pour révéler aux hommes la vérité de Dieu qui n'a rien à voir avec les boucs émissaires divinisés. Rien à voir est un peu ambigu ici puisque le symbolisme est en quelque sorte le même. Mais la réalité du christianisme me paraît tout entière paradoxale et différente. Je suis peut-être en train de faire une anthropologie religieuse qui est très loin de l'entreprise de Kierkegaard, mais une anthropologie aussi, une anthropologie paradoxale. Paradoxale en ce sens que le schéma du bouc émissaire se retrouve dans le cas du Christ, n'est absolument pas indispensable à ce qu'il dit, à sa révélation, ni au fait qu'il est Dieu, n'est-ce pas, pour le christianisme. Et ça, la théologie orthodoxe, catholique, protestante, les grands conciles, sont tous d'accord là-dessus. Et ce qui m'intéresse beaucoup, justement, c'est que cette anthropologie retrouve, d'une certaine façon, l'orthodoxie. L'idée que le Fils est le même que le Père, n'est-ce pas, et Dieu de toute éternité, par conséquent, n'est pas le fruit de la passion, me paraît fondamental. Mais nous refaisons du christianisme une religion archaïque lorsque nous voyons dans la passion, en quelque sorte, la genèse de la résurrection. Vous montrez comment le christianisme, la Bible, les évangiles dénoncent, révèlent les mécanismes sacrificiels. L'exclusion qui règne toujours dans la fabrication du lien social et peut-être encore plus généralement le travail de la haine dans les sociétés. Est-ce que le christianisme est aussi efficace quand il s'agit de la croissance de l'amour dont on a pu dire que c'était le plus complexe des sentiments ? La question est complexe, forcément, puisque si ce que j'ai dit précédemment est vrai, si le christianisme révèle les mécanismes de bouc émissaire, il ne nous protège plus de la violence au sens où les religions primitives nous en protégeaient. Par conséquent, d'une certaine façon, il nous expose à la violence. Il nous expose peut-être très lentement à la violence dans la mesure où il est lui-même confondu pendant longtemps. Il n'est pas vraiment confondu avec une religion archaïque, je ne veux pas dire du mal du christianisme ancien, mais il est bien évident que le christianisme médiéval a vis-à-vis de la violence une attitude qui ne nous paraît pas chrétienne. Par exemple, la conception même des croisades, aujourd'hui, ne nous paraît pas chrétienne. Et que nous soyons chrétiens ou non, nous avons parfaitement confiance dans notre propre attitude. Si nous sommes chrétiens, nous disons certainement le christianisme ne veut pas cela. D'abord parce qu'il n'attache pas au lieu de la naissance ou de la mort du Christ l'importance que les croisades y attachaient. Seuls les cultes primitifs peuvent faire ceci dans la mesure où ils sont liés, n'est-ce pas, à ce phénomène qui est là. Le christianisme est historique, mais il n'est pas situé géographiquement puisqu'il prétend parler à tous les hommes en dehors
de toute société. Alors, ce que je pense, n'est-ce pas, c'est que le christianisme révélateur du lien social, le christianisme révélateur des boucs émissaires, c'est une chose qui, en quelque sorte, nous est distillée goutte à goutte. Le christianisme évolue sans cesse et il devient de moins en moins, ou il devrait devenir de moins en moins le bouc émissaire du premier type pour passer au bouc émissaire du second. Je crois qu'on peut penser le christianisme à la fois comme rupture absolue avec les religions archaïques et sur le plan de l'histoire comme rupture infiniment graduée dans la mesure où il est toujours possible de le confondre avec une religion du bouc émissaire de type classique et normal, n'est-ce pas ? Ce qui permet d'ailleurs d'arriver à cette conception, ce sont tous les textes de l'Ancien Testament où les aspects bouc émissaire, révélation du bouc émissaire sont mêlés, n'est-ce pas ? Chez les patriarches, dans les premiers livres de la Bible, on voit très bien que anthropologiquement, le problème principal, c'est le passage du sacrifice humain au sacrifice animal. Mais que dans le fameux sacrifice d'Isaac, l'Akeda des Juifs, il y a d'abord un Dieu qui demande la mort du fils. Je pense, contrairement à Kierkegaard cette fois, que cette demande n'est pas une demande individuelle faite à Abraham, mais une exigence de la communauté. Ce que le texte nous dit, c'est qu'il faut suivre la tradition, il faut accepter de sacrifier son fils, même si on a des doutes, pour arriver au point où une autre solution nous sera donnée, le bélier qui est là, qui se trouve là, n'est-ce pas ? Donc la Bible me paraît toujours se mouvoir dans le sens du moindre sacrifice, et puis du plus de sacrifice du tout au sens du bouc émissaire, c'est-à-dire plus de meurtre du tout. Pendant longtemps, j'ai refusé le terme de sacrifice pour Jésus lui-même, en disant, il y a quelque chose de scandaleux d'utiliser le même terme, n'est-ce pas, pour le meurtre de la victime, si vous voulez, et la victime qui accepte de se laisser sacrifier contre la première forme de sacrifice. Mais aujourd'hui, je ne pense plus cela. Je pense que j'essayais trop de fabriquer une science de l'homme, de trouver un lieu intermédiaire au-delà du religieux, n'est-ce pas, et que ce lieu n'existe pas. Qu'il n'y a pas de place entre les deux formes de sacrifice, autrement dit, entre la haine et l'amour. Mais pour répondre pleinement à votre question, on peut dire le christianisme nous offre l'amour, nous donne les moyens de l'amour et donne à d'innombrables individus des grâces particulières pour leur permettre d'aimer. Mais sur le plan social, il y a bien sûr des aspects où l'amour n'est pas là, où les hommes restent responsables. Le christianisme n'est pas une recette pour améliorer la société. J'aimerais maintenant qu'on aborde la question de la relation entre la religion et la croyance. Est-ce qu'on peut et comment peut-on distinguer ce que j'appellerais la croyance religieuse dure de la foi, que la foi peut-être soit chrétienne ou qu'elle s'ignore comme telle? Dans les religions archaïques, je pense... J'ai toujours tendance, comme vous le voyez, à opposer les religions archaïques aux bibliques et aux chrétiens. La question de la croyance ne se pose pas. D'abord parce que ces religions sont avant tout des actes rituels ou des interdits. Il faut faire ceci, il faut ne pas faire ceci. Et ces religions sont liées malgré tout à la peur de la violence, n'est-ce pas ? Donc il faut faire ces actes, et on ne se demande jamais, au fond, on ne se pose jamais la question de la croyance, qui est une question de luxe, une question pour des hommes qui, précisément, ne sont pas placés. J'ai l'impression que les civilisations archaïques, dans les actes rituels, se trouvent toujours, en quelque sorte, dans une situation de, comme on dit en anglais, emergency, vous voyez, de danger imminent, n'est-ce pas, que
une culture s'abandonne au rituel, c'est-à-dire s'abandonne à la crise pour arriver au sacrifice, et cet abandon lui-même est un geste dangereux. Il provoque une crise artificielle. Donc la question de foi ne se pose pas. Alors dans le christianisme, bien sûr, vous n'avez plus cette peur du Dieu, il y a une tendance pour la divinité violente à disparaître, à mourir. À partir du moment où la divinité n'est plus violente, c'est la toute-puissance divine qui paraît disparaître. J'ai l'impression que la mort de Dieu, ce que nous appelons la mort de Dieu aujourd'hui, est un pur produit du christianisme. Ce qui est en train de mourir, c'est ce Dieu sacrificiel qui est absolument maître de nous et qui est tantôt malveillant, tantôt bienveillant. Cette forme de toute-puissance, dans le christianisme médiéval, il en restait certainement des éléments, et aujourd'hui, c'est une évolution religieuse, à mon avis, qui aboutit à ce qu'on appelle la mort de Dieu, qui, je pense, n'est pas un phénomène fait pour durer très longtemps, n'est-ce pas ? Parce que nous avons déjà eu la mort de Dieu, aujourd'hui nous avons la mort de tous les idéaux qui ont remplacé Dieu. Nous ne sommes pas prêts à nous sommes toujours très attachés aux droits de l'homme, à toutes les conquêtes de la philosophie des Lumières, du rationalisme du XIXe siècle, mais à la différence de nos grands-parents, qui voyaient là une solution de l'énigme humaine, n'est-ce pas, une espèce de réponse religieuse encore à toutes les questions posées. Aujourd'hui, nous ne croyons plus cela. Nous ne croyons plus à la science comme remplaçante du religieux. Nous savons qu'elle va nous apporter toutes sortes de choses extraordinaires, mais nous savons en même temps que nous sommes capables de faire des choses épouvantables, n'est-ce pas, avec ceci. Par conséquent, je crois que la question religieuse aujourd'hui, loin d'être terminée, est en train de se poser avec une force absolument formidable qui commence à apparaître en ce moment. Vous voyez, alors je ne suis pas du tout partisan de cette espèce de fin du religieux dont on nous parle. Je crois que le religieux est en train de se transformer. Et je vis aux États-Unis et c'est très sensible aujourd'hui où beaucoup de problèmes hier politiques sont en train de se transformer en problèmes culturels religieux, n'est-ce pas ? Bien souvent d'ailleurs posés en des termes classiquement sacrificiels et trop sacrificiels. Mais qui malgré tout révèle une évolution peut-être la plus radicale depuis la Renaissance, depuis l'arrivée de la Réforme, n'est-ce pas, un bouleversement du christianisme tel que nous n'en avons pas vu depuis des siècles.